Bonjour, on est le 2 juin 2018. Très grosse journée aujourd'hui du côté de Sorel-Tracy. Les éperviers vont parader avec la coupe verdure dans le centre-ville. Je vais suivre l'événement toute la journée. Les éperviers présentement sont partis au golf, du côté du club de golf Les Dunes à Tracy. Fait que, question de se rassembler un peu ce matin. Puis tout de suite, en début d'après-midi, ils se préparent pour parader jusqu'à partir du Colisée Cardin jusqu'au Carré Royal. Fait qu'on va, je vais vous faire quelques images de ça. Fait que gênez-vous pas pour partager puis liker la vidéo. Merci beaucoup! Bonjour tout le monde. Premièrement, merci de vous être déplacé. Je vais essayer de mieux parler que quand j'ai pris la parole après notre victoire. Donc, c'est sûr que l'adrénaline a baissé un peu, mais on est encore extrêmement content d'avoir gagné ça. Quand je dis merci de vous être déplacé, c'est que on est tout le temps fiers d'être là pour vous, de jouer en avant de vous autres. Puis votre support, on le voit. C'est ce qui fait que quand on arrive sur la glace, on a le goût de tout donner. Des situations comme la perte de Normand Gravel aussi, ça nous a grandement ému. Vous ne voyez peut-être pas ça, les estrades, mais dans la chambre, quand il y a des choses comme ça, ou quand on voit que vous êtes là, peu importe comment ça va sur la glace, c'est ce qui fait en sorte qu'on a le goût de revenir le vendredi d'après et tout donner pour vous autres. Fait que, merci, cette couple-là est à vous autres aussi. Merci. Un peu comme Sébastien, je vais essayer d'engendrer mon speech un peu différemment de la bande-annonce que vous avez vue. C'est des choses qu'on ne pensait pas qu'ils se retrouveraient là, mais c'est quand même. Tout d'abord, je tiens à remercier les gens de la ville qui, grâce à eux, ont ramené le hockey à Sorel, qui nous ont supportés et qui nous supportent toujours encore. Quand j'ai eu cette folle idée de donner du hockey, ça me prenait des gens aussi fous que moi. Puis j'ai des partenaires en or, JF, Sylvain, Alain, mon beau-père, toute la gang là qui j'oublie, là, Jean-Guy qui est là depuis le début. Yves Étienne, sa couleur de cheveux ment pas. Pour que ça fonctionne, je veux dire, c'est clair que ça prend des joueurs sur la glace, puis ces joueurs-là ont donné énormément de sacrifices tout au long de la saison. J'ai pas été un coach facile, mais tous les mercredis étaient là. Les gars ont patiné, les gars ont cru à ça. On a dit que cette condition physique-là qu'on allait mettre sur la glace, ben, c'est celle qui allait nous permettre de gagner ce dernier match-là.
ils ont énormément de crédit. Ils ont dû sacrifier beaucoup de temps en famille. C'est tout à leur honneur. Une chose qu'il faut oublier là-dedans, c'est que quand ils sont dans l'arène en train de s'entraîner, c'est qu'il y a des dames à la maison qui sont souvent en train de s'occuper des enfants, qui mettent les bouchées doubles. Je pense que c'est ces dames-là qui sont ici un peu partout. Énormément de crédit dans cette victoire-là. Vous avez victoire. Victoire de famille. Je tiens précisément à remercier la mienne qui, depuis 17 ans, est là, puis qui se prive du père de ses enfants pratiquement toutes les fins de semaine. Jenny, comment va ma fille? Merci. Je fais vite parce que là, les gens de temps des tétous ont été extrêmement patients. Mais ça, il y a un dernier élément pour que ça fonctionne, les joueurs, les propriétaires, la ville. Mais faut surtout pas oublier les commanditaires, les gens qui sont là, qui ont appuyé leur équipe comme jamais. Dans la Ligue, le mot se passe qu'à Sorel, ben, c'est différent. Le Colisée est plein. Pourtant, on a moins de population que les autres. Ça doit être la preuve que les choses sont bien faites et que les gens veulent embarquer avec leur équipe. Et en terminant, je me devais terminer par vous. Je suis obligé d'un petit peu de revenir en arrière il y a 3-4 semaines, alors qu'on perdait 3-1 à la série contre Tetford Mines, puis qu'on avait une grosse remise en question tous les gars ensemble. Je pense que le déclic s'est fait quand on a sorti de la chambre, puis qu'on a vu qu'un jeudi soir, quand les gens travaillent le lendemain, puis que les gens vont de l'école le lendemain, mais qu'il y avait encore 2000 personnes au Colisée, c'est parce que vous n'étiez pas là pour faire les intérêts. C'est dommage qu'on ne peut pas mettre les 20 000 noms sur la coupe, mais vous avez votre place sur cette coupe-là. Merci beaucoup. Yeah!